Bonsoir les amis, ici Mérimée Jensen, plus connu sous le nom de Mérimée, et on repart pour une session de Deus Ex Human Revolution. Alors au moment où je vous parle, on est vendredi, l'épisode 22 je crois va sortir après cette session de jeu, et en passage j'ai aussi, au moment où je vous parle, sorti l'épisode 14 de Chains qui parle justement de Chains of Light. N'hésitez pas, comme d'hab, à laisser des commentaires, hein, vos avis, vos impressions, vos idées pour d'autres chances. Moi, j'accepte tout et je trie ensuite. Alors, la dernière fois, avant de lancer le compteur, alors, j'ai regardé un peu l'épisode et on se retrouve donc après l'élucidation d'un meurtre en Chine et Malika nous a demandé de pirater un terminal où on s'était arrêté la dernière fois. Donc on va reprendre, ça rame du cul. Wow. Et ça rame un peu. Donc c'est vrai que je pourrais couper en montage les séquences de chargement, mais en fait c'est vraiment trop long, parce que chaque fois qu'on passe une porte on a un chargement, ce serait vraiment atroce. Voilà, donc on se retrouve ici, hein, comme la dernière fois, et donc le terminal qu'on devait pirater, hop, bougez pas, voilà, c'est celui-là. Au passage, je démarre le timer, et on est parti. Donc le chain de la dernière fois, donc le chain sur de Chain of Light, comme là j'ai fait le remerciement à Gameside Story là, qui vient de me retweeter, d'ailleurs j'apprécie beaucoup, et à tout même hein, pour m'avoir fourni des informations extrêmement importantes qui m'ont permis de mener à bien hop, le tout. Alors on va commencer donc par du piratage, et comme je suis bon maintenant, je vais être un peu tranquille. Alors le spam. Ok. Hop. Ok, bon, so far so good. Je vais pas aller. Ah oh, bah si, du coup je peux. Blablabla. Je voudrais bien prendre ça en fait. Ah mais je peux. Je peux, oui, je suis quel idiot. En faisant ça. Tac, je prends celui-là. Et je prends celui-là. C'est bon, nickel. Accès autorisé. Voilà. C'est bon, Malik. C'est piraté. Malik. Je vérifie le signal. Allez, allez. Ça y est, j'y suis. J'ai de la chance, il y a des fréquences libres. J'envoie les données et... ça y est. Rejoins-moi devant le Hive, Jensen. J'ai une petite surprise pour notre ami Lee. Donc c'était Malik, hein, c'était pas Marik, c'était pas Malika, c'était Malik. Voilà. Bon, alors, on va redescendre, donc on va se retrouver devant le Hive. D'ailleurs, au passage, je... Non. C'est-à-dire, je pourrais sauter, mais non, c'est pas... C'est pas la meilleure des idées. Faudrait que ça me boufferait une unité. Ça doit être par là, la sortie. Ouais, c'est bon. Allez, hop. On sort. Donc voilà, nouvelle session de jeu, il faut encore que j'encode l'épisode 24 et 25, hein. J'avais tenté d'automatiser tout ça, sauf que ça s'avait complètement foiré. Je vais réessayer, peut-être à l'occasion, pour que ça marche. En tout cas, bon, ça plaît pas tant que ça, hein, mais Deus Ex, un peu dommage, parce que bon, à part quelques vues, il n'y a pas attendu que ça. Tant pis, je dis, si ça, je dis rien. En préparation, il y a... le prochain jeu de Darkrift qui va faire Prince of Persia 2 normalement, qui a déjà dû tourner quelques épisodes mais qui va en refaire certains parce qu'il est trop mauvais, comme il me dit. Il me dit ah c'est trop mauvais, ça passera pas sur YouTube, mais si ça passera. Allez bon, il nous reste un peu plus d'un petit quart d'heure. Alors je sais les temps de chargement c'est chiant, mais bon, je peux pas les couper sinon j'aurai des vidéos de 10 secondes à chaque fois, ce serait vraiment trop chiant. Je crois que c'était une quête secondaire, donc du coup, hop. Ah, Jensen, voilà. Malik. D'abord, prends ça.
J'avais prévu de l'utiliser moi-même, mais après tout ce que tu as fait, je crois que tu l'as bien mérité. Bon, c'est quoi la suite? Oh, j'ai quelques détails à régler et je veux m'assurer que ce rapport d'autopsie tombe entre de bonnes mains. Les Hong vont pas s'en sortir avec leur fric cette fois. Les aveux de Lee sont accablants. Avec ça et le rapport d'autopsie, il ne pourra pas éviter d'être inculpé. Justice sera faite. Justice sera faite. Ça oui. Tu veux patienter une seconde? J'ai préparé une petite surprise pour notre ami Lee. Alors je sais pas si vous avez remarqué, mais ce type-là, au moment où il est posé à côté de nous, il s'est figé. C'est assez drôle. T'es devant le Hive? Le spectacle va commencer. 3, 2... Malik. Regarde. Je sais pas... Evelyn, cette grosse conne, elle allait mourir. Je voulais pas la tuer, ok? Mais elle voulait pas Malik, la fermer. Rappelle-moi de ne jamais te mettre en colère. Après tout ce que t'as fait aujourd'hui, pour Evelyn, pour moi, c'est pas prêt d'arriver. Justice de Shanghai, succès déverrouillé. Et au passage, pendant que je suis là, j'ai quand même réussi à débloquer 7 achievements, au moins j'ai redémarré Steam. Parce qu'en fait, mon Steam ne prend pas en compte les... Comment dire? Il ne prend pas en compte les déblocages in-game. Donc du coup, en fait, je suis obligé d'éteindre le jeu et de le rallumer pour que mes achievements soient validés. Donc du coup, je viens d'en valider 7 d'un coup. C'est un peu bizarre. J'ai plus de quêtes secondaires, donc on va se retourner sur la quête principale. Ouais. Qui était donc... ici, je sais plus pourquoi, on va regarder ça. Mission. Infiltration chez Taillon Médical. On devait aller au Hongwa Hotel. Donc qui semble apparemment, je crois, une barre de striptease pour aller voler un badge d'employé. Donc on va y aller. Donc l'objectif se trouve au-dessus de notre tête. Pas me faire une petite remise pour une fois. Désolé, mais si tu veux que je te fasse tout ce que tu aimes, faut vraiment que ça engraisse mon compte en banque. Allez, ma belle. Vous avez compris, hein. Je montrerai pas, c'était toi. Pourquoi? Attends, ne dis pas que May et Edgar ont remis ça. Si, et tu vois ce que ça veut dire? Ouais, Edgar est d'une humeur de chien. C'est dommage, parce qu'il est sympa. Oh oh. Ça m'est pas toujours qu'il supporte autant de choses de May. Ok, on dira un vieux couple. Alors on va fouiller l'endroit juste après. Non, on n'est pas au bon niveau. On n'est pas au bon niveau. Donc, putain, je m'avoue, est complètement en rue. Non, j'ai oublié mon sac dedans, qui t'en met? C'est un problème? Dites, monsieur, vous voulez pas entrer et faire semblant d'être un client? Peut-être que ça les calmerait. T'inquiète pas, je suis armé, bébé. J'ai un gros canim. Je ne me ferai pas poser d'augmentation. Pas pour ça. Nos clients seraient prêts à payer davantage pour s'offrir une fille augmentée. Tu pourrais gagner plus. Alors dis à tes clients de se faire augmenter eux-mêmes et d'aller se faire foutre. Je suis sûr qu'il y en a qui le font déjà. May, écoute. Non, je ne veux pas t'écouter. C'est trop dangereux. Je ne me ferai pas charcuter juste pour le plaisir de quelqu'un d'autre. On en reparlera. Et tu passeras sur le billard si tu veux garder ton boulot. Pense-y bien. Wouah, c'est violent. Excusez-moi, monsieur. Je ne savais pas qu'un client attendait May. Alors, on va attendre qu'il se barre et on va lui parler. Vous n'êtes pas un client, si? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Votre façon de bouger, votre démarche. Qu'est-ce qu'elle a de spécial, ma démarche? Vous êtes flic. Ou soldat, un truc de ce genre-là. Qu'est-ce que vous faites ici? Je vous ai entendu vous disputer. C'était à quel sujet? Ils veulent que je me fasse poser des augmentations. Pour le plaisir du client. C'est des malades. Je préfère partir que de me laisser faire. J'ai pas eu l'impression qu'ils vous laissaient vraiment le choix. Non, c'est vrai. Mais bon, j'ai de la chance. Je suis la plus ancienne ici. Ça a des avantages. Mais les nouvelles, elles ont moins de chance. Comment ça? Elles sont forcées de se faire augmenter. C'est très dur. Une des filles qui travaille ici, Ning, elle a disparu depuis plusieurs jours. J'ai peur qu'il l'ait prise pour la faire augmenter de force.
Vous avez l'air d'un homme honnête. Je suis désespérée. Vous pouvez m'aider? Je peux vous payer? Voyons un peu les détails. Non, on va pas parler de la récompense hein, pour l'instant. On va parler de la mission. Qu'est-ce que vous voudriez que je fasse? Il paraît qu'il drogue les filles et qu'il les emmène quelque part dans le quartier de Dai Gong. Ils les retiennent là-bas jusqu'à l'arrivée du docteur. J'aimerais que vous trouviez où c'est. Où il garde Ning. J'espère qu'il n'est pas trop tard. Ok. Au sujet de Ning. Voyez voir. Qu'est-ce qui vous fait croire que Ning a été enlevé? Avant, on pouvait refuser de se faire augmenter. Mais de plus en plus de filles ont accepté. Et elles rapportent plus. Alors maintenant, ils nous obligent. Ils n'engagent même plus d'humaines pures comme moi. Parce que les gens les aiment moins. Et Ning est une humaine pure? Oui. Enfin, j'espère qu'elle est encore. Ils ont commencé à insister pour qu'elle se fasse augmenter. Elle a dit non, même quand ils l'ont frappée. Mais j'ai peur qu'il ait obligé à se faire opérer. Ning n'est pas la première. Et elle ne sera pas la dernière. Oula, non, c'était au sujet de la police. Pourquoi elle agit pas en fait? Pourquoi vous ne demandez pas à la police? La police laisse la ville basse à Bell Tower. Et Bell Tower ferme les yeux tant que les bandits leur graissent la patte. Ils s'en fichent de mon ami. Ou de toutes les filles forcées à se prostituer. Ouais, donc en gros, il n'y a pas de police, quoi. Alors, c'est qui, eux? Vous parlez tout le temps d'eux. C'est qui, eux? Avant, le Hongwa Hotel était indépendant. On avait un accord avec la police qui nous protégeait. Et comme ici, c'était propre et qu'il n'y avait pas de violence, ils nous toléraient. Et puis, ça a changé. Qu'est-ce qui s'est passé? Bell Tower a remplacé la police dans la ville basse. Ils n'ont pas voulu nous aider. Et puis, un gros trafiquant de drogue est arrivé avec ses hommes. Et il s'est installé. Depuis, tout a changé. Et on ne peut rien y faire. Ok, bon, on accepte la quête. Ok, je vais aider votre ami. Merci. Je savais que je ne me trompais pas sur vous. Monsieur... Jensen. Monsieur Jensen. Dépêchez-vous. Vous devez retrouver Ning avant qu'il ne la camisole. La camisole? Oui, c'est comme ça qu'ils disent. Ils camisolent les filles qui sont augmentées. Ils les tiennent parce qu'elles ont besoin de neuroposine. Je ne sais pas où est Ning exactement, mais c'est dans le quartier de Dai Gong. Une adresse plus précise, ça m'aurait aidé. Je vous dis que je ne la connais pas. Mais il y a un videur ici, Chuan Li, et il travaille pour ces gens. Il va souvent fumer sur le toit. Allez le voir. Vous arriverez peut-être à le convaincre de vous dire où c'est. Autre chose? Autre chose qui pourrait m'être utile? Oui. Les hommes qui tiennent Ning, ils font sans doute partie d'un gang d'une triade locale, les recycleurs. Si vous les trouvez, ça vous mettra peut-être sur la piste de Ning. Compris. Ok, donc trouver Ning pour la Chun-Li, ok. Alors, attends, j'ai une quête secondaire. Quête secondaire qui doit probablement être de trouver une ténébreuse affaire. Ah non, bah non, forcément la quête secondaire, oui, c'est... objectif secondaire par la Chun-Li. Ils sont sur le toit... Donc, on va aller fouiller sur le toit de l'hôtel. Rien ici. Alors... qu'est-ce qu'on a ici? Il y a pas mal sur le toit. Le toit est juste au-dessus. Hop. On va passer par ici. Eh oh! Arrêtez-vous! Oups. Pas la peine de courir! Oups! Montrez-vous! Essayez encore de me toucher! Pas la peine de courir! Montrez-vous! Voilà. Bon, j'ai pris quelques coups, mais au moins. Comment qu'on se redresse? Ah, comment qu'on se redresse? J'oublie comment on se redresse.
Non, range-moi ce truc, toi. Comment on se redresse déjà? Non, c'est pas ça. Ah, j'oublie mes touches, bon, c'est pas grave. Qu'est-ce que t'avais sur toi? T'avais rien. Bon. Oui, c'est bon, on a compris. Ah, du coup, j'ai le bas. Où t'en es? Tu sais que j'aime pas être sur la touche. C'est bon, j'ai trouvé Van Bruggen. Apparemment, c'est Tai Young Medical qui les a engagés. Lui et les mercenaires, pour nous déstabiliser. Tai Young Medical? Mais ils sont déjà leaders sur le marché des augmentations. Et pourquoi s'être servi de Van Bruggen? Pour écraser la concurrence. J'espère pouvoir le prouver quand j'aurai donné ce badge à Van Bruggen. Si t'as besoin de renfort, je suis là. Ok. En attendant, option, j'aimerais juste me rappeler de comment on se redresse. Clavier. S'accroupir, C, d'accord. Voilà. Ok, bon bah du coup j'ai rempli la mission principale d'une manière un peu non prévue. Donc du coup ce que je vais faire c'est... Non, tu manges ça. Ah, il s'est rien passé ici. Depuis que Ning a disparu, Mei est sur le sentier de la guerre. Waouh, c'est tellement philosophique ton truc. Bon, on va aller chercher l'autre abruti là qui traîne là-haut. Voilà. T'as vu Ning ces jours-ci? Pas depuis une semaine. Je commence à me faire du souci. Ça fait 3 jours qu'elle est pas venue travailler. Tu crois pas que... Chan, j'espère pour Ning qu'il n'y a rien à y voir. Mais Mei est inquiète. En parlant de Mei, elle est toujours... Bonjour, monsieur. On est en pause, mais si vous voulez voir une défi de service... Non, merci. J'ai eu ce que je voulais. Alors, où c'est qu'il se trouve, cet abruti? Ah, elle se trouve un peu plus loin. C'est avec Edgar? Où tu veux qu'elle soit? Un de ces jours, afin de chercher le... Ouais, t'appelles ça un videur, mec. Il est là, gueule au moins. Dégage, avant que je te dégage moi-même. Je viens pour vous voir. Pourquoi? Ning. Ouvre l'annuaire. C'est pas ça qui manque, les Ning, ici. Vos amis la retiennent prisonnière. Je serai généreux, si vous me dites où. Généreux? Ouais, peut-être. Montre d'abord tes crédits, gros dur. Et puis je verrai si j'ai envie de te le dire. Soudoyer pour 2000. Voir si je paye rien. Je ne paierai rien. Comme tu veux, mais va pas te mettre en tête de m'assommer ou un truc dans le genre. C'est pas comme si j'avais écrit l'adresse sur un papier, tu vois. Ok, donc ça a posé problème. J'ai combien? J'ai 4000 crédits, ouais, ça va être un peu jour quand même. Niveau de la dynamisation. J'ai 2 dynamisations, qu'est-ce que je pourrais augmenter? Niveau de tout ça, ça doit être bon. Respirateur. Je pense que j'ai à peu près tout ce qu'il me faut pour... j'ai à peu près ce qu'il me faut pour... Vous pouvez voir à travers les murs. Ça, c'est seulement à partir des murs fissurés, je crois. Un booster de réflexe éliminer plusieurs adversaires. Ouais. Ça, par contre, l'amplification, tout ça, ça pourrait être intéressant. Si je dois convaincre des gens, ce serait quand même vachement plus facile. T'es prêt à allonger les crédits? C'est ta seule chance de trouver Ning. Alors, voilà. Et là, on a tout de suite espace, utiliser les phéromones pour convaincre. Charmer, pression, apaiser. Alors, en fait... Là, en gros, ça va être limite un jeu d'astuces, savoir si, de quel type, en fait, sont les de quel type est Chun-Li. Donc, si on met la pression, selon le choix qu'on fait, on peut arriver à les avoir. Donc, par exemple, si je fais pression et qu'il cède à la pression, je sais que c'est un Oméga. S'il se rebelle, je sais que c'est un Alpha. Et s'il fait autre chose, ce sera un Bêta. Allez, vous êtes quelqu'un d'important.
C'est pour ça que je m'adresse à vous. Je pensais que vous pourriez me rendre ce service qui ne vous coûterait rien. C'est vrai, ça me coûterait rien. Mais est-ce que ça me rapporterait? En crédit, par exemple. Je ne paierai rien. Que... T'es prêt à... Ok, donc apparemment, je me suis un peu planté. J'ai plus de... Ah, ça prend pas de crédit. T'es en prêt? Bon, bah, tant pis. On se doit. Tenez. Ok, mais je t'ai rien dit, hein. Il la garde dans une petite ruelle tout près du canal des égouts dans le quartier de Daigong. Mais il y a au moins 2-3 gars qui la gardent. Ok, bon. On a dû payer. Bon, tant pis, hein, on a fait avec. Il ne reste qu'une minute. Et donc, on va essayer de se retrouver là où est Ming. Et on terminera la première vidéo dessus. Alors. La carte. Ok, donc la mission française se trouve à l'étage du dessous, donc on va faire un jump. Je pense que c'est plus simple à faire. Et yo! Voilà. Maintenant qu'on est au bon niveau, à peu près. Bon, au moins on est au bon niveau pour la quête principale, mais la quête secondaire, c'est pas ça encore. Donc on nous avait dit dans un entrepôt près des tunnels de maintenance sur Shuigo Plaza. Ok, donc maintenant il faut trouver cette place. Donc du coup on m'a dit que c'était un cran en dessous. Ok, c'est ici. Ici, donc si on remonte un cran. Ok, c'est là. Je prends le chemin qui se trouve derrière moi. Donc voilà, donc là, l'épisode va se terminer là-dessus. Alors c'est vrai que c'était pas palpitant, hein, comme d'hab. Mais bon, faut de tout pour faire un jeu. Et en l'occurrence, vous savez que hein, c'est pas que de la baston. Il y a aussi pas mal d'infiltration et tout le tatouin. Alors, par là-bas. Voyons voir un peu. Ok, c'est ça, donc il faut que je tourne ici et que je prenne les escaliers. Ça ralentit un peu. Je peux pas prendre les escaliers? Voir ceux-là peut-être. Ah, bon, il y a une ruelle. Ok, donc ça c'est l'endroit où se trouve Ming, avec tous les gardes qui va avec. Donc du coup, pause. Et on se retrouve sur le prochain épisode. Comme d'hab, qui va s'enchaîner juste après. Donc ce sera c'est la fin de l'épisode 26. Et donc voilà. Sur ces mots, je règle à nouveau le timer. Et on se retrouve dans quelques minutes. Allez, zouf.